She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. To the day she got me cold. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de dire? Je suis pressée d'aller m'asseoir et d'observer les looks. J'ai du travail. Ah. Alors. Alors, du coup. AB, le Superman. Suite de promule, lui, on va avancer. J'ai dit. Quand vous venez dire que votre queen a respecté le thème, elle était la seule à respecter le thème. Pourquoi c'est sa part seule qui est sortie bizarre? Je vais prendre par exemple Diana. Son bustier était avec le tissu africain cousu avec des bijoux africains. On ne va pas parler de Carmen. Ils ont respecté tous. Pourquoi c'est seulement sa part qui est sortie façon? Hello la famille, oh, sortez, c'est grave, oh, sortez. Bienvenue sur vos coupages Buzz Promas, vos coupages qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. J'ai mis ces deux petites vidéos des extraits, premièrement d'Emmanuel Keïta, quand elle remettait le prix au Prémude. Question que vous pouvez admirer sa tenue qui a reçu autant de critiques. La deuxième vidéo était celle des blogueuses, parce qu'elles sont nombreuses, ces blogueuses qui sont sorties critiquer la tenue de notre queen Eka pour dire que forcément elle n'a pas respecté le thème. Sa tenue, elle a respecté le thème certes, mais sa tenue n'était pas sublime comme on a l'habitude de la voir. Vous savez, à chacun son point de vue, hein. Les influenceurs sont sortis, ils ont critiqué pour dire que non, Eka, non, on te connaît souvent, tu es souvent plus stylé que ça, tu es souvent plus humain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le projet? Pourquoi ta tenue là sur toi ne donnait pas comme dans l'habitude de voir? On sait que tu es une sapolo, tu es une reine du style, tu maîtrises ta chose. Et quand tu fais, tout le monde s'aligne seulement pour dire que yes, maman, tu connais. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Parce que il faut noter que les différents invités qui étaient présents au Prémude de là ont vraiment fait l'effort de respecter le thème. Tout le monde s'est débattu de son côté et tout et tout. On a vu Diana qui était superbe dans sa robe avec des petites décorations africaines. Carmen Sama qui a vraiment mis du lourd, très très belle comme d'habitude, on le sait si bien. Axel Meryl, Sarah Messang, leur tenue était vraiment waouh. J'ai eu beaucoup de coups de cœur dans cette cérémonie-là par rapport à leur tenue. En fait, tout le monde s'est bien battu. C'était tellement beau à voir, de voir que les gens peuvent représenter un thème aussi parfaitement, celle de la royauté africaine là. Mais c'est vrai que la Eka, moi j'ai pas trouvé sa tenue si moche que ça, mais bon, moi j'attendais plus d'elle. Vous savez, c'est la reine de la mode. Vous avez même vu hier qu'elle partait remettre que le prophète a dit qu'il faut qu'elle aille vite s'asseoir parce qu'elle aura des looks à décortiquer. Voilà, même elle-même son propre look que les gens sont en train de faire, la fête avec ça sur la toile. Mais sa mise en beauté était parfaite. Elle était très très bien maquillée, très jolie sur ça, rien à dire. Comme d'habitude, elle a assuré sur ce côté-là. Mais ah, la tenue était belle, mais elle n'a pas fait l'unanimité. On s'attendait à plus. On n'attendait pas peut-être de voir une Diana plus sapée que Eka ou bien Sarah Messang ou une Carmen Sama. Non, ça c'est le monde à la veille, parce qu'on sait que Eka, généralement, c'est la queen des queens, la reine, la sapologue internationale. Mais bon, ça peut arriver. C'est pas aussi comme si elle a trop fait le flop. Il y a les moments comme ça. Si elle a aimé, si elle était à l'aise, je pense que c'est ça l'essentiel. Parce que vous savez, moi, je fais aussi également partie un peu de la Ekwaland. Et Ekaland, pardon, tant pour moi. Et Eka, c'est la deuxième influenceuse que j'aime beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, elle laissait un peu ma star comme ça. Elle a compris. Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à ce petit bruit qui se passe sur la toile. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes adorables, vous êtes les meilleurs. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bonne soirée.